Top Top 3 3 des des parfums parfums pour pour la la rentrée. rentrée. Alors, je vais laisser ma sœur en choisir, vu que vous l'avez beaucoup aimée pendant que j'étais pas là. Elle a voulu voler mon compte et vous avez acquiescé. Donc, on va la laisser choisir son premier parfum. Alors, le premier parfum, c'est un parfum de chez Valentino. Il s'appelle Born in Roma, c'est le green. Et il sent hyper bon. Il est frais, ça sent un peu les jardins. Vous voyez Bridgerton? Et bah, si je devais donner un parfum à cette série, ce serait lui. Donc, je vous le conseille vraiment. Il fait très été, rentrée, fraîcheur. Si vous voulez être la fraîcheur de votre école ou de votre entreprise, c'est ce parfum qu'il faut choisir. Il y a aussi la version homme, donc Born in Roma Green. Et moi, personnellement, je préfère la version femme, donc je porte plutôt celui-ci. Alors, le deuxième parfum, vous connaissez, c'est Giardini di Toscana. Giardini di Ah, Toscana. super, ok. Donc, le deuxième parfum, c'est Céleste de Dolce Guardini di Toscana. C'est un parfum qui a beaucoup de caractère quand même. Il est assez frais, on va le sentir. En fait, c'est un parfum qui a du caractère, mais c'est un caractère doux. Je sais pas comment vous expliquer ça. Il faut le sentir pour comprendre un petit peu. À mon avis, il va pas plaire à tout le monde parce qu'il est assez puissant aussi. Mais je le trouve assez doux et pour se démarquer, pour moi, c'est un très très bon parfum. Autant j'aime bien le sentir comme ça, mais autant je trouve qu'il se sublime sur peau et une fois qu'il passe un petit peu au fil de la journée. Et le dernier parfum, c'est Qualité Kryptonite. J'ai rarement eu un parfum qui colle si bien avec ma personnalité. C'est de la séduction involontaire. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'en penses de Moi, ce parfum? le parfum, il est un peu sucré, donc je trouve que ça fait très à la fois masculin comme féminin. C'est un entre-deux et j'aime beaucoup. Donc je pense que si je devais séduire mon crush, je mettrais ce parfum. Quel crush? Tu as un crush? Fais très attention. Donne-moi ton téléphone, je vais vérifier.